Ce soir, Planète Rap, le JPK. Passez une bonne soirée, bienvenue sur Skyrock. On est avec le JPK tous les soirs de la semaine. Comment ça va ce soir? Toujours très bien. Très bien. Franchement. Montagne russe, donc là on est plutôt sur le haut de la montagne. Là on est sur le haut, ouais, juste avant que ça descende à fond. Juste avant la grande descente. T'as le cœur qui bat. Montagne russe, c'est le nom du projet qui est sorti au mois de novembre. Et en fait, ce projet continue à vivre tous les soirs de la semaine. Ouais. Puisqu'il est agrémenté de nouveaux titres. Des exclus tous les soirs avec toi. Bah c'est ça, ouais. Incroyable. L'album était déjà sorti, je voulais pas venir qu'avec des choses et bah je t'en que les gens connaissent. Du coup, plein d'exclus, plein d'invités. Tu nous régales avec tes invités chaque soir entre 20h et 21h. Les images sont dispo sur le Skyrock FM, sur l'application Skyrock. Tour de table, on y va? Comme je te laisse faire les présentations. À ta droite, capitaine. Le capitaine Roshi. Roshi qui est là avec nous. Yoha, tout le monde. Comment ça va, capitaine? Ça va très bien, et toi, Fred? En pleine forme? Toujours. Ça bosse? Qu'est-ce que ça fait en ce moment? Bah, en ce moment, comme j'ai sorti l'EP, bah là, je prépare l'album, tu vois. Bien. J'espère que tout va bien marcher, mais en tout cas, pour l'instant, je suis très content de ce que je fais. Eh bien, bonne année à toi. Merci beaucoup. Et bonne année d'ailleurs à tous les invités qui sont là autour de la table aussi. Parce qu'on peut encore souhaiter la bonne année, normalement, jusqu'à fin janvier. Hein. C'est la règle. Normalement. Okay. Bienvenue à toi, Captain Rocher. Il est là avec nous. Merci. On continue avec l'ami Easily. Easily. Salut. Easily qui est... le boss de la mélo. Talentueux beatmaker, artiste complet d'ailleurs même. Bah c'est ça. Hein. Ouais. Qui est derrière... de grands tubes et qui a aussi sa carrière à lui. Et qui se cache? Parce que alors, si vous n'avez pas les images, il a toujours un masque particulier avec des diamants. Oh. Hein. Les diamants changent ou de diamants ou d'ailleurs on ne sait même plus. Parce que ça doit être des pierres précieuses, mais. Ça dépend de l'humeur. Ouais, c'est... les diamants. Non, c'est un coup c'est des diamants, un coup c'est des. C'est des morceaux rubis, de single de diamants. Des, un coup on sait plus. Ouais, il n'y a pas de visage en dessous. C'est une bijouterie ambulante en fait. C'est-à-dire que là il se balade, c'est incroyable. Est-ce que tu as déjà vu le vrai visage de Easily? Jamais. A-t-il un visage d'ailleurs? Il n'y a pas de visage. C'est ça la question. C'est la question qu'on peut se poser. Que de la musique. 2022, on ne saura toujours pas en 2022. Non, pas 22. Pas 23 non plus. Mais merde. Après, on ne sait jamais. Hein. 24. On sait jamais. Ou 3024. T'as des artistes comme ça, ça peut vivre des années. Bah, c'est ça, quand t'as c'est un masque. Immortel. T'as pas d'âge. C'est vrai, t'es en Daft Punk. Immortel. Exact. Ouais. J'aurais dû faire ça, moi. Un petit mot justement sur la connexion Easily Lou JPK. On a déjà bossé ensemble il y a longtemps. En fait, on se connaît depuis longtemps. Et voilà, je tenais à l'inviter pour faire un petit morceau à la cool. On s'est vu en décembre dernier. Ouais, tu vois, on s'est laissé porter par une instru. On kiffe tous les deux les mélos, comment dire. Les sons, des mélodies. Les sons catchy, tu vois ce que je veux dire. Genre. Et franchement, le morceau il est top. On va vous divulguer ça ce soir. Donc morceau inédit. Ouais. Et il y aura aussi une exclue solo de Easy et notre feat et une exclue avec Roshi. Avec Roshi. Pareil. Un très beau programme ce soir. Et un autre invité qui est en face de toi aussi. Ouais. L'enfant unique, Johnny John, OG Bobby John. Mm-hmm. Tu vois, plein de pseudos. C'est batteur. Mon batteur sur batteur, scène. Batteur, bien sûr. Et producteur et frérot, quoi. Et du coup, très content qu'il soit là. Et il est accompagné. Tous les deux on s'est connus en stud parce que, du coup, pour faire le lien, Cassive qui est là aussi tout le temps et qui est sur scène en plus d'être là tous les soirs à Planète Rap. Bah, du coup, c'est l'équipe de scène, tu vois. Je tenais aussi à ramener la team. Et on s'est rencontrés, je sais pas moi, quand je suis arrivé à Paris, dans des studios ou des soirées d'abord. C'est ça. Et après. Et en fait, dans la vie. Johnny, prends bien le micro par contre. Je sais que t'es batteur, mais il faut juste. qu'on t'entende bien. Bah non, mais en fait, comment ça s'est fait? On était en recherche de batteurs talentueux, tu vois. Et le frérot venait de finir une tournée, t'es entre deux, on a dit, on cherche quelqu'un, toi t'es là. Et tu viendrais pas dans l'aventure? Pourquoi pas, tu vois. Et du coup, c'est devenu très vite la MIF. Et du coup, on tourne ensemble et on espère. Reprendre à la fin du mois, tu vois. Bon, on attend avec impatience, enfin, fin du mois. Je sais pas trop si ça sera possible, tu vois, mais. Mais c'est bien, il faut être ambitieux. Moi, je suis assez. Tu as raison. Je vois le verre à moitié plein. Tu as raison, il faut toujours voir le verre à moitié plein. Pire que fait des meetings. Ouais. Ce qu'on dit, comme je le dis tous les soirs, je me présente. Oui. Donc, du coup. Des propositions ce soir, peut-être à faire, on verra. Hier, tu voulais légaliser le CBD. Mais non, mais c'est. Vu qu'il vient d'être. Bien sûr.
pénalisé. Il vient d'être interdit. Bah vas-y, pour ça, n'importe je pourrais commencer par ça. Ah, tu veux comment, tu veux me réchauffer là? Hier, j'étais énervé. Là, hier, t'étais un peu réactif. Tu veux que la machine reparte, quoi. Ah, t'as peut-être d'autres sujets qui te touchent. Ah bah, il y en a plein d'autres, alors là, que c'est pas gagné. Mettons un des sons que ça va me calmer tout de suite. Allez, vas-y. Pas à ma place et ça va me faire du bien parce que j'ai besoin de musique en ce moment. Voilà. C'est parti, du JPEG. Let's go. Demain ressemblait à hier et je me suis dit c'est plus la peine. Je veux pas tout miser sur une vie que j'aurais peut-être à 40 ans. Comme le mec d'Into the Wild avec un meilleur style quand même. Je suis parti sans dire je t'emmène. Me cassez pas les couilles avec vos projets de monde meilleur. Ma liberté je l'obtiendrai qu'à coup de pince monseigneur. Je me sens bien sur ton scoop, je voudrais quand même être ailleurs. J'ai décalé mon pouls du BPM de leur cœur. Ici je trouverai jamais la paix, donc j'ai filé comme une étoile. Je me suis fait la belle, j'ai tout quitté, j'ai mis les voiles. T'as pleuré comme 100 000 avers, s'il te plaît faut pas m'en vouloir. Pardon si j'ai gâché la fête, je voulais m'échapper du trou noir. Ici je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Je suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Je suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Ici je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Je sais pas si j'ai toi d'un petit ou d'un fight club. Je regardais le monde en night shift, il était dans l'écran de mon iPhone. J'ai cherché mon talon d'Achille dans des joints de shit et sous des robes. Je m'en vais vivre, désolé si je me dérobe. Comme tous les gens qu'on taf, je me sens différent des gens qu'on taf. Je me casse avant de ne sourire qu'en photomontage. Je te crois pas libre parce qu'il y a assez de place pour courir dans ta cage. Devenir riche, m'en fous royal, mais c'est pas dans les listes. Ici je trouverai jamais la paix, donc j'ai filé comme une étoile. Je me suis fait la belle, j'ai tout quitté, j'ai mis les voiles. T'as pleuré comme 100 000 avers, s'il te plaît faut pas m'en vouloir. Pardon si j'ai gâché la fête, je voulais m'échapper du trou noir. Ici je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Je suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Je suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Ici je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Dans ta soirée, pas à ma place. Dans la musique, pas à ma place. À Paris, pas à ma place. J'essaie juste de trouver ma place. On a rongé toutes nos attaches. On erre sans but comme chien de la casse. Et même si on fait le tour de l'Atlas, on chantera. Ici je trouverai jamais la paix, donc j'ai filé comme une étoile. Je me suis fait la belle, j'ai tout quitté, j'ai mis les voiles. T'as pleuré comme 100 000 avers, s'il te plaît faut pas m'en vouloir. Pardon si j'ai gâché la fête, je voulais m'échapper du trou noir. Ici je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Je suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Je suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Ici je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. À ma place avec Luigi Pekka, notre invité tous les soirs de la semaine sur Skyrock entre 20h et 21h. On parlait justement de la tournée, donc ce soir il y a évidemment une partie de l'équipe de tournée, toi qui va la reprendre, on t'espère le plus rapidement possible. Ouais. C'est assez drôle aussi, pareil, si on revient sur le documentaire, allez le voir, il est sur France TV. Hein, France TV slash. Sur l'appli France TV slash. Le documentaire se termine par une date au Sable d'Olonne, hein, je crois. C'est ça. Bah, le speech, c'était d'aller de la dernière date en groupe à la première solo. Et du coup, ça retrace toute la création de l'album. Et voilà, ça a été plus long que prévu, tu vois. Est-ce qu'il faut, parce qu'on en parlait un petit peu hier, mais c'est vrai que ça m'est revenu d'un seul coup. C'est le moment où on te voit angoisser, en fait, juste avant de monter sur scène. Il y a un petit moment. On a retrouvé un peu le stress. Un petit moment de stress, quoi. Avec les photos. En fait, on avait tous perdu un peu l'habitude parce qu'on tournait beaucoup. Et quand tu te prends une pause de 2 ans. Après tu redécouvres en fait, tu vois, c'était vraiment retrouver les sensations et se remettre dedans. Et bah là on est reparti, on kiffe, mais c'est vrai que quand tu reprends. Johnny, toi justement la première fois que tu disais quand vous rentrez le JPK, toi tu sortais d'une tournée. Ouais, c'est bien ça. Tu connaissais ses sons aussi? Bon, on s'est connu via Auto et pas mal de fréquentations qu'on a en commun. Ouais. Et je connaissais plutôt bien le projet parce que on se voyait dans la vie, dans le contexte musical, etc. On faisait du son aussi ensemble, tu vois. C'est ça, surtout du studio. Et puis en vrai, moi je pense que je l'avais déjà titillé en lui disant écoute, si tu veux, je suis là. Mais il avait un truc bien précis de ce qu'il voulait faire pour la tournée. Et puis après, ça s'est fait. Et en vrai, j'étais prêt. C'est quoi l'idée? C'était aussi que ça joue sur scène? Ouais, fort. Moi, je kiffe la batterie, ce que ça apporte et tout. Et ça, en fait, quand on a pu mettre en commun les emplois du temps, c'était parti. Et puis, c'est beaucoup mieux de partir avec des poteaux. Et quand tout le monde est archi talentueux, ça,
Enfin, tu vois, c'est vraiment, ça marche sur scène et ça marche à côté, quoi. La batterie, c'est un rêve. J'aurais aimé être batteur, moi. Ah, non, mais il y a une telle énergie, hein. Un truc. Non, mais là, c'est mort. Ah, c'est mort, quoi. Tu vois les mecs. Tard, toi, t'as commencé à quel âge, toi? 5 ans. En vrai, non, j'ai commencé super tôt, genre ouais, 6-7 ans, vers là. Tu vois, il est pas trop tard. Mais c'est quoi, justement, t'as un souvenir, ce qui t'attire vers la batterie, c'est quoi, c'est le... Moi, j'étais trop turbulent. trop turbulent. Et t'as l'impression que ça a canalisé, ouais, la batterie. Complètement. Fallait taper. Il tapait partout. Vraiment, mais c'était vraiment genre du bruit à mort, que du bruit. Que du bruit, quoi. Et après, je me suis canalisé, mes parents m'ont. Mais attends, mais déjà, tes parents, pour avoir la batterie, même si t'es turbulent quand même, turbulent en batterie, c'est deux fois plus, quoi. Ouais, mais je jouais pas chez moi, je te rassure. Ah ouais. Pas chez moi. Non, mais c'est un truc de fou, la batterie. Je trouve qu'il y a une telle énergie. Ça... Et puis les batteurs, généralement, ils sont bien, quoi. Ouais, ça apporte un vrai truc. C'est un vrai truc, quoi. Ouais, fort. Bon, allez voir sur scène, donc on l'espère le plus rapidement possible, le JPK. Allez vous tenir quand même informé sur les réseaux sociaux. Je suppose que tu tiens au courant pratiquement jour par jour. Ouais, de ouf. Bah, de toute façon, si on décale, les gens sauront, leurs billets seront automatiquement déplacés dans pas longtemps, j'espère. Roshi, toi aussi, des tournées aussi un peu. Des meetings, un peu annulés, reportés. On en parlait, j'ai très peur. C'est pourquoi t'as aussi des dates, toi? J'ai une petite minute tournée, tu vois, avant l'album qui arrive, qui commence en février, et j'ai un peu peur, tu vois. Je commence à flipper un peu. T'as capté? Ah bah je comprends, non mais de toute façon c'est un enfer. C'est un enfer pour tous les artistes en ce moment. C'est dans le flou. Puis c'est ça qui est assez terrible, c'est d'être dans le flou. C'est-à-dire qu'un coup ils te disent bon t'as une jauge de 2000 mais faut être assis. Ouais. Super, un conseil. Ah, faut suivre un coup assis. Un coup assis, une jauge réduite et tout. Il y a eu un petit moment en décembre dernier où tout était redevenu normal pendant 2 semaines. Ouais. Non, on a pu faire une date. Et ouais, non, bah. En fait, voilà. Ouais, c'est vraiment par fenêtre de tir, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dis putain. Ah, dès qu'on peut, on y va, tu vois. Dès que tu peux, vas-y, hop, ça part. Et bien, guetter les réseaux sociaux. Dans un instant, le JPK, nous allons faire un petit tour dans la rue pour savoir ce que les gens pensent de toi. Carrément? Ah oui, carrément. Cruel. Mais juste avant, on va écouter Poupée Russe, c'est parti. Promis, on ira voir la mer. Quand c'est la merde. Je fais l'autruche, je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. Oh, on ira voir la mer, quand c'est la merde. Je fais l'autruche, je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. Elle a du venin sur les dents. Mais pas de sang sur les mains. On n'est pas si différents quand elle prend ses médicaments. Personne sait qu'elle est malade. On n'en parle pas, on se balade. Moi si on m'a proposé de me reposer à l'hôpital. On ira voir la mer. Quand c'est la merde. Je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer. Viens je t'emmène. Ma poupée russe. C'est la merde, je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. On est toujours les gosses qu'on était. J'ai de sérieux doutes sur le jardin d'Éden. La main sur la plaque pour voir ce que ça fait. Et tant pis quand on chante, s'ils écoutent à peine. Elle dit que les médecins sont des menteurs, qu'on devine à la façon dont ils dessinent les cœurs. Qui a raison, qui a tort? Je m'en fous, moi je n'ai plus peur du monstre caché dans son corps. Cap sur la plage, dans le creux de la vague, on chante encore. On ira voir la mer, quand c'est la merde. Je fais l'autruche, je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. C'est la merde, je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. Mmh.
Louji PK avec nous tous les soirs et le morceau Poupée Russe à l'instant sur Skyrock entre 20h et 21h. Venez vous faire du bien tous les soirs avec Louji PK. En ce moment, on a tous besoin de ça. Venez. Venez. Et puis allez aussi récupérer l'album Montagne Russe qui est dispo. Ce soir, il y aura du live avec toi et des invités, Captain Roshi, notamment Izzy, ouais, aussi qui est avec nous. À pas louper dans quelques minutes. Mais juste avant, il est content de savoir ce que les gens pensent de toi. Dans la rue. Imagine, on descend dans la rue avec une caméra. Dans la street. Avec un micro. On a envoyé justement notre ami Dapulga et Steph ensemble dans la rue. Ils ont été voir les gens, ils leur ont demandé qu'est-ce que vous pensez de l'UJPK. Est-ce que vous connaissez l'UJPK? Ouais, déjà. Et bien la réponse tout de suite. J'espère qu'ils sont sympas. Salut, je connais l'UJPK. Je peux lui faire une séance de rattrapage, tu vois. En fait, c'est le mec de Columbine. Ah, c'est un des types. Ah, belle. Et là, parce qu'il connaît Columbine, mais il connaît pas l'UJPK. Okay. Les filles, si je vous dis l'UJPK, qu'est-ce que ça vous évoque? Pour moi, il était dans Columbine. Moi, je sais qu'il était dans le groupe Columbine avant. Et moi, son nouvel album, Poupée Russe. Musique TikTok, rap, musique. Moi, pas grand chose, je connais pas trop. Luigi PK, un peu italien, je pense. On est dedans? Pas trop. Et un peu de Rennes, un peu Rennes. Je rattrape. J'ai connu aussi avec Hades, avec Luz Rezval. Je connais Luigi PK, ouais, de Columbine. Et puis, je sais que maintenant, il mène un peu une carrière solo. C'est mon chanteur préféré. J'adore. Je te fais écouter un petit morceau en vitesse, tu me dis ce que t'en penses? C'est la merde, je fais l'autruche, je sais que tu vis un enfer. Ça, j'aime bien. Ouais, c'est bien, ça a l'air stylé. Les paroles aussi, en vrai, ça va, elles sont bien. En vrai, de reste pas, c'est une musique que j'ai écoutée, t'as vu. Enfin, en tout cas, il est dans les temps, ça se dure au calme. Mais en soi, c'est pas une musique que j'ai écoutée, je vais pas te mentir. Ben, je connais le JPK. Est-ce que j'aime, c'est notre histoire, mais est-ce que je connais? Oh, il chou sa mère, gros. Moi, je trouve l'ambiance, elle est cool, genre c'est chill. J'aime bien sa voix. Je trouve que c'est apaisant et en vrai, on peut s'enjailler quand même, donc je trouve ça cool. Bah, j'aime beaucoup, il est dans ma playlist, donc j'aime beaucoup. Je trouve ça plutôt sympathique. Voilà, moi j'écoute pas du tout de rap ou de choses comme ça. Y a un petit air, ça passe. Voilà. Alors, moi, je pense pas être le public visé. Moi, je le connais de base, je le connais pas du tout comme ça. Je le connais plutôt sur ses projets Columbine, Les Prélis, Enfants Terribles, tout ça. Et puis, j'aimais plutôt pas mal, j'écoutais quand j'étais plus jeune. Mais je sais qu'il est. Je pense qu'il est capable de trucs plus intéressants. Est-ce que vous réussissez à comprendre pourquoi Luigi PK ça marche? C'est nouveau un peu. Dans ses mélodies, etc. Même dans ses paroles, on sent que c'est sincère et ça nous entraîne dedans. Ah, je pense qu'il a une sensibilité qui est assez particulière et il arrive à toucher le cœur des gens et c'est ça qui est à vrai dire assez important. Tu vois. Important. Ouais, peut-être son style, ce qu'il dégage, peut-être que les gens ils aiment, ils peuvent se retrouver peut-être en lui. C'est hyper réconfortant en fait quand on écoute, on a l'impression d'être visé un peu des fois et avec ses paroles, etc., on arrive à se retrouver dans ses chansons des fois. Il est assez proche de nous dans son caractère ou dans ce qu'il raconte dans ses paroles. Du coup, on s'identifie pas mal. En fait, tu peux autant l'écouter avec tes potes et en même temps, quand t'es seul, c'est vraiment un mood. Ouais. Genre, tu peux être tout seul, t'es bien, t'es dans ton lit, etc. T'écoutes, j'avoue, t'es dans un mood, etc. C'est pas pour une ambiance précise, tu écoutes ça dans le bus ou en soirée avec tes potes, ça passe quoi. Bah, je lui souhaite bonne chance. Il y a beaucoup de prétendants, il n'y a pas forcément beaucoup d'élus, mais je lui souhaite bonne chance auprès de son public qui doit être, j'imagine, assez large. Et bien voilà. Et ben. Tu as appris que tu rappais dans les temps, donc ça c'est. Bah ouais, ça, c'est... J'aime bien le critère. C'était important, voilà. On sait maintenant que tu rappes dans les temps. Ah franchement, cool. C'est touchant. C'est touchant. Plaisir. Hein. Les gens ils ont l'air d'apprécier. Alors évidemment, il y a beaucoup de Columbine, mais c'est normal. Bah ouais, normal. C'est normal aussi. Bon, ça fait partie de l'histoire. On va pas arracher les pages. D'ailleurs, on écoutera un morceau Borderline dans quelques minutes. Ah, très bien. Ne bougez pas, on va revenir sur Skyrock, c'est la suite de ce Planète Rap avec Luigi PK, avec Captain Roshi, Easy Lee qui est là aussi, avec Johnny qui est là aussi. Johnny, Cassive. Bah oui, bien sûr, Cassive. Toujours présent. Tu veux ajouter quelque chose, des petits souvenirs de tournée, des petits trucs à ajouter, des petits dossiers, des... N'hésite pas, j'en ai plein. N'hésite pas à intervenir à n'importe quel moment. Ouais, que si je reviens, si ça revient dans ma tête, je n'hésiterai pas. Ah bah, tu lui mets un buzzer et voilà, tu buzzes dès que tu as une anecdote comme ça, boum. Ah, j'en ai une. Ah, alors vas-y. C'est passé une petite dinguerie un soir dans le tourbus. Vas-y. Ça roulait la nuit. Donc en fait, c'est quoi? C'est sur la tournée là. La tournée Columbine. C'était Columbine. Columbine. Et le chauffeur il s'est arrêté et en fait il a pris 3 personnes sur l'autoroute pour les amener à l'hôpital. Nous on dormait. Donc vous dormez? On dormait. Et qu'est-ce qui se passe? Donc là, il y a 3 personnes qui font du stop et je sais pas, le chauffeur il s'arrête. Enfin, sur l'autoroute. Ouais, sur l'autoroute. Faites jamais de stop sur l'autoroute quand même, faites gaffe quand même. Ouais, c'est bizarre même. Nous, c'est un camion en plus, donc c'est pas ouf de s'arrêter.
Et du coup, on apprend ça le lendemain. Et en fait, il y avait le mec qui fait du stop. Il devait, il était avec sa copine, mais il allait à l'hôpital pour voir son ex qui était enceinte de lui. Nous, on s'est retrouvé transporteur de tout ça. T'es. Non, mais surtout, le chauffeur, il est dingue, votre chauffeur. On l'a vu une seule fois, de toute façon. De tourbus. Avant, on l'a pas revu après. On l'a pas revu. Ah bah, tu m'étonnes. Le gars, il s'est dit, oh bah, tu reviens. Alors, toi, t'as une copine, mais tu vas aller voir ton ex qui est à l'hôpital. Allez, grimpe. Après, je suis avec des artistes, c'est pas grave. Ils font le concert plus tard. Il a trop donné. Mais nous on savait pas, ça va être le lendemain on a appris qu'on avait fait du stop, truc et tout. Après c'était marrant, tu avais pas eu de galère, mais. En vrai, ils ont kiffé, je pense. Ouais, ils sont allés à l'hôpital. Ouais, donc... L'histoire du bug, elle est sombre quand même. Ouais, attends. L'histoire, elle est mystique quand même. C'est le genre de gars qu'il faut prendre en stop. Ah mais... non, mais attends. Déjà, stop sur l'autoroute. Ne jamais faire. Enfin, ouais, je sais pas. Ou alors peut-être éventuellement sur les aires de repos. Mais. Ouais, mais non, si tu fais ça sur l'autoroute, déjà la durée de vie, je crois que c'est un truc de fou. La durée de vie sur une autoroute, c'est 7 ou 8 minutes. Ouais, putain, oh. Bah, lui, il a eu un. Faut mieux éviter. Il a gagné un tour en tourbus. Et alors après, en plus, le chauffeur du tourbus qui s'arrête pour emmener le mec à l'hôpital, qui va voir son ex, et il est avec sa meuf. Ça, c'est sale. C'est bizarre. Sombre. Ça pourrait être un morceau, hein. C'est ce que j'avais dit. Ça pourrait nous faire un titre, hein. Dans un instant, on va revenir donc avec le morceau Borderline de Columbine sur Skyrock. Ne bougez pas, le Planète Rap. Et de retour juste après ça. Planète rap. Dans tous les cas, je te vois de loin, car t'es forcément quelque part. On s'attrape demain, là, je peux pas. Aurore boréale, peur du noir. On n'était pas fait pour moi. Deux copines qui s'embrassent, qui s'accélèrent, tout s'emballe. La pupille qui scintille devant la terre qui s'embrase. En équilibre au bord du gouffre, gouffre borderline. Toute ma vie à bout de souffle, plus de bien, plus de mal. Chanter à sans casser la voix. Les chiens à bois cherchent où passer la nuit. T'as jamais soufflé sur ma voile. Je mets de la lumière sur ma ville et je lâcherai des buts à vos appels à l'aide. Je déteste ce que t'aimes et je dois faire avec. Je traîne les mêmes histoires depuis des années. J'ai arrêté de les compter. À découvert, je veux plus camper. Au moins ça forge d'avoir personne. Jure qui comptait, je voulais aider. Mais à quoi bon, t'es pas mauvais. Est-ce que t'es bon? Finira par se haïr de toute façon. Tellement mal que je souris à m'en déchirer les lèvres. Je ressasse tous les souvenirs, y'a plus rien de bon. Des mauvaises herbes sur l'île des jouets brisés. Des gens bizarres parlent de misère. Survivre j'en suis capable, mais toi non, je te lève mon verre. Dans tous les cas je te vois de loin, car t'es forcément quelque part. On s'attrape demain, là je peux pas. Aurore boréale, peur du noir. On n'était pas fait pour moi. Deux copines qui s'embrassent, qui s'accélèrent, tout s'emballe. La pupille qui scintille devant la terre qui s'embrase. En équilibre au bord du gouffre, gouffre borderline. Toute ma vie à bout de souffle, plus de bien, plus de mal. On descend là où tu m'emmènes. Je n'irai pas, j'ai plus quoi faire. Donc je fais du mal. Comment le refaire sans te revoir? Dans tous les cas, je te vois de loin, car t'es forcément quelque part. On s'attrape demain, là, je peux pas. Aurore boréale, peur du noir. Comme si ce monde n'était pas fait pour moi. Deux copines qui s'embrassent, tout s'accélère, tout s'emballe. La pupille qui scintille devant la terre qui s'embrase. En équilibre au bord du gouffre, gouffre borderline. Toute ma vie à bout de souffle, plus bien, plus mal. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap tous les soirs de la semaine avec le JPK. L'album est dispo, c'est Montagne Russe, vous le trouvez partout. Là, c'était un petit retour en arrière, ouais, avec Borderline à l'instant sur Skyrock. Autour de toi, il y a Captain Roshi qui est là. Yeah. T'as pas trop chaud là, t'es bien? Moi? Non. Je vois, bon. T'as gardé la doudoune. Hein? Non. C'est l'hiver en même temps. C'est l'hiver un peu en ce moment, non? T'es pas, je suis rentré comme ça, je sais pas. Moi, tu m'as pas Izzy. Mais non, mais attends, tu poses trop de questions. Ah, Izzy qui est là avec nous, en effet, le cuir est de sortie. Le cuir est de sortie. Izzy, t'as bossé avec qui ces derniers temps? Plein de gens. Ok, qui? Qui ça? Plein de gens. D'accord. Bon, on saura pas plus? Non. T'as bossé pour toi aussi? Ouais. Plus pour moi d'ailleurs. Voilà. Plus pour moi d'ailleurs.
Il y a des choses à annoncer, des choses que tu sors? Ouais, je pense que je vais sortir un projet cette année. Mmh. Enfin. Enfin, on n'a pas de date non plus. Non, pas de date, mais cette année. On y travaille. Cette année sûre. Très bien. Eh bien, bienvenue à vous dans Planète Rap. Il y aura du live avec vous dans quelques minutes. Et juste avant, je vous présente un jeune garçon qui nous vient du Jura qui s'appelle Rika. Comment ça va? Ça va, un peu stressé comme d'habitude. Bah, il est bon, il est déjà venu ici. Ok. On a fait un concours sur l'Instagram de Planète Rap. Il a encore tout raflé. Enfin, j'ai vu les scores, les stats, c'est incroyable. 125 000 vues, 14 000 commentaires, plus de 10 000 likes. Aïe, aïe, aïe. Et il est de retour avec nous. Bravo à toi, comment ça va? Ben ça va, ça va. Tu es prêt à rapper? Allez, allez-y. D'habitude c'est par téléphone et là ça se passe dans le studio. N'hésitez pas à aller faire un tour sur l'Instagram de Planète Rap. Vous êtes déjà plus d'un million dessus, donc n'hésitez à aucun moment à aller vous inscrire sur l'Instagram et vous serez peut-être vous aussi, comme Rika, dans le studio de Planète Rap. On y va, c'est parti. Yeah. RSEA. En franco-portugais. Direct de Planète Rap. Des personnes qui me tournent autour. Maintenant je suis seul, j'ai la haine, y'a plus de retour. Ici c'est Rika, Katlé, tu kiffes ma zik, t'as qu'à l'admettre. J'ai quitté la zone, je suis à des milliers de kilomètres. Tu parles de ma vie comme si t'avais vécu en ma fils de pute. T'aurais vécu ce que j'ai vécu, t'aurais pas tenu une minute. Dans le rap, t'es original, j'ai mon DLC, un régal. Pourquoi pas faire la diff avec une touche du Portugal? Mais au destiné, je t'attressarde, qu'on la piche, ben un goussard, tu es. On sait de nada, quer dizer, et j'en viard, falas de mon nom. Comme se fosse apaixonado, quer dizer, levar no cu, sou murcon. Sou otário meu, o rap é muito forte pra tua boca nojenta. Te deram a luz e a tua fama lamenta. Meu rap é muito forte pra tua boca nojenta. Te deram a luz e a tua fama lamenta. Plus j'avance dans ma vie, plus les choses deviennent claires. Tes soi-disant amis te la mettent tous à l'envers. Tu finis toujours au sel, pas un poteau pour t'épauler. Obligé de se faire, seul me l'a toujours dit la madré. Puis je débarque sale, je prends le rap et je fais des sales sons. Après on vient me demander comment tu fais sale sang. Lèche ta vie à tout de mieux, chez Gourou, bifique ou fort. Rica está no auge e tu me vês de lado fora. Fica fora, fica foda para ti, hon. Eu só quero vida bela para mim, hon. Fica fora, fica foda para ti, hon. Eu só quero vida bela para mim, hon. Je démarre en sac à dos, le tag dans le sac à dos. La vie ne m'a pas raté d'elle, j'attends aucun cadeau. J'suis avec ma tête de Jack, j'vois la vie tout en noir. J'ai vu beaucoup d'overdoses brisées, pas mal d'espoir. Puis j'débarque sale, j'prends le rap et j'fais des sales sons. Après on vient me demander comment tu fais sale sang. Puis j'débarque sale, j'prends le rap et j'fais des sales sons. Après on vient me demander, wesh, comment tu fais sale sang. C'était Rika, ma gueule. Bravo à toi, Rika, franchement, obrigado. Merci, merci. Bravo, beaucoup. Bravo. Merci, sale, sale. Où est-ce qu'on peut te suivre? Sur les réseaux comme d'habitude, Instagram, TikTok et voilà. Et j'ai pas de projet encore en cours. Mais tu bosses. Mais je bosse des freestyles, tout ça. Et t'as fait l'aller-retour, en plus il vient du Jura, donc il repart dans le Jura, c'est franchement. 4h30. Pour le Planète Rap. 4h30 aller, 4h30 retour. Exactement. C'est ça le truc. Le charbon. Merci, non mais vraiment merci. La détermination. Et bah tiens, regarde, petit cadeau de nos amis Babala Aziz qu'on salue, le manoir Luxury, qui t'offre un petit cadeau pour la route. Merci à eux. Pour bien rentrer dans le Jura. C'est gentil. Et non, juste pour te suivre, rappelle l'adresse surtout. On tape quoi? Rika. Rika, R-I-C-A, tiré du bas, off. R-I-C-A, tiré du bas, off. Tout simplement. Tu nous as régalé, merci Rika. Si tu me permets, je tiens juste à remercier tous mes abonnés qui m'ont donné la force. C'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui pour le deuxième passage. Merci à JPK, merci à tous ceux qui bien sont vu. Là, merci Planète Rap. Et tu sais ce qu'on dit, jamais 203. Jamais 203. Donc et la troisième, on prend une photo ensemble. Bah, bah même là. Maintenant. Bah, quand tu veux. Ouais. Le temps de mettre un morceau. Quand bah, allez, quand même, bah, okay, quand même prêt, c'est pas le difficile. Pourquoi la dernière fois, j'ai pas voulu prendre de photo? T'étais occupé. Ah, ouais. Ah, ouais, dis donc. C'est ça, je suis souvent occupé. C'est comment ça? C'est ça le problème. Excuse-moi, je suis occupé. Je fais une émission. Non mais bien sûr qu'on va faire la photo, ne bouge pas, ne bouge pas Rika, avec grand plaisir. Le temps d'écouter tiens un morceau du JPK et on passera aussi au live, on va continuer le live dans quelques minutes. Après ouais. Juste après, là on balance Putain d'époque, c'est parti. Putain d'époque. Putain d'époque. Tout le monde est beau, la vie est belle. Le Truman Show sur toutes les chaînes. Je lèche des crapauds pour me déterre. Plus on m'aime, plus je me déteste. Y a le paradis sur la marelle. L'enfer est sous mes TN. Martin Luther avait un rêve. Vaut mieux pas qu'il se réveille. Putain d'époque. J'ai payé mes impôts et j'ai primé mes docs. Putain d'époque. Accroche-toi si t'es pas dans les codes. Putain d'époque. J'suis bourré, j'ai les mains dans les poches. Putain d'époque.
coupe mes réseaux, j'ai plus aucun pote. Sur vos tombes, j'irai cracher, danser en claquette. Le prêtre achète sa coke avec l'argent de la quête. Je m'en fous de tout, moi, tant qu'on fait la fête. J'ai la cravate autour de la tête. Qu'est-ce qu'on va dire à ceux qui crèvent dehors? On en avait assez, on en voulait encore. On va plutôt les cacher sous terre. Faut pas qu'ils gâchent le décor. Putain d'époque. J'ai payé mes impôts et j'ai primé mes docs. Putain d'époque. Accroche-toi si t'es pas dans les codes. Putain d'époque. J'suis bourré, j'ai les mains dans les poches. Putain d'époque. Coupe mes réseaux, j'ai plus aucun pote. Mes Nike sont faites par les Ouïghours. On fait des stories, pas de longs discours. Les ados se droguent parce qu'ils s'emmerdent à mort. C'est 100 euros la demi-heure d'amour. Ça n'existe pas si c'est pas entêté. J'prie pour que le banquier me laisse m'endetter. Popcorn et comédie, raciste au ciné. Finalement c'est une grosse grille qui a tout décimé. Masqué, j'attends le retour de la peste. On n'est que les cobayes d'un grand test. Mais j'garde le smile jusqu'aux oreilles. Tant qu'il me reste des cigarettes. Putain d'époque. J'ai payé mes impôts et j'ai primé mes docs. Putain d'époque. Accroche-toi si t'es pas dans les codes. Putain d'époque. J'suis bourré, j'ai les mains dans les poches. Putain d'époque. Coupe mes réseaux, j'ai plus aucun pote. Putain d'époque. Putain d'époque. Putain d'époque. Putain d'époque. C'est Skyrock et c'est le morceau Putain d'époque que vous retrouvez sur Montagne Russe. Le JPK avec nous, Captain Roshi, Zilly, il y a Johnny qui est là aussi, qui t'accompagne en tournée. Et pour puis la tournée. Johnny pour la qualité, évidemment, bien évidemment, et qui t'accompagnera aussi en tournant, on espère le plus rapidement possible. On espère. Vous êtes combien, 3 ouais. Combien sur scène à chaque fois? 3-4. On est 3 sur scène. Après il y a toute la team Tour qu'on salue. Bien sûr. Voilà, avec Flo qui est juste là au son, Gwen, toute la team qui nous accompagne. Et... c'est une famille. Hein, tu tous vois, ces moments de colonie quoi. C'est la colo. Hein. C'est la colo quoi. Ouais, en fait. Vraiment. On attaque, d'ailleurs, est-ce qu'on ferait pas un petit peu de live maintenant? Ah, on est là pour ça aussi. Hein. On va commencer par quoi? Poupée russe? Ouais, on commence Poupée russe, puis après on envoie quelques exclus. Eh bah parfait. Tu vois? Poupée russe maintenant, c'est extrait de Montagne russe, et c'est en live dans Planète Rap. C'est ça. Promis, on ira voir la mer. Quand c'est la mer, je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. Et on ira voir la mer. Quand c'est la mer, je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. Elle a du venin sur les dents. Mais pas de sang sur les mains. On n'est pas si différents quand elle prend ses médicaments. Personne sait qu'elle est malade. On n'en parle pas, on se balade. Moi aussi on m'a proposé de me reposer à l'hôpital. On ira voir la mer. Quand c'est la mer, je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. Et on ira voir la mer. Quand c'est la mer, je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. On est toujours les gosses qu'on était. J'ai de sérieux doutes sur le jardin d'Éden. La main sur la plaque pour voir ce que ça fait. Et tant pis quand on chante, s'ils écoutent à peine. Elle dit que les médecins sont des menteurs. Qu'on devine à la façon dont ils dessinent les cœurs. Qui a raison, qui a tort. Je m'en fous, moi je n'ai plus peur du monstre caché dans son corps. Cap sur la plage, dans le creux de la vague, on chante encore. On ira voir la mer. Quand c'est la mer, je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. Et on ira voir la mer. Quand c'est la mer, je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. Ma poupée russe. La 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 la.
Ça... Magnifique. Extrait de Montagne Russe, Poupée Russe à l'instant en live, le JPK. Ouais. On attaque ? On attaque la suite. La suite ? Les lives exclus ? J'en ai peur. Et bon, on y va. Hey, hey, hey. T'es revu dans le check, depuis ma tour au dernier étage. Je voulais pas retomber dans le piège, je pensais que j'avais tourné la page. Mais je l'ai revu dans le check, ça m'a fait gamberger à notre histoire. Je voulais pas retomber dans le piège, mais c'était une nuit sans étoiles, oh mi amor. Je crois que je l'aime encore, rejoins-moi, je te jette une corde. Même si on sait qu'on aurait tort, on aurait tort. On va encore se faire de la peine, j'suis pas d'accord. On sait jamais, à la vie, à la mort. J't'aime toujours, mais j'suis pas prêt à faire des efforts. S'il te plaît, sors de ma tête, conjure le sort. J'ai mal à mon corps, je l'aime à tort. À la vie, à la mort. Toi et moi c'est compliqué, à grande distance je me laisse aller. Je veux pas regretter toute ma vie, je veux pas non plus la gâcher. Toi et moi c'est compliqué, à grande distance je me laisse aller. Je veux pas regretter toute ma vie, je veux pas non plus la gâcher. L'amour n'a qu'une vitesse, je passe les rampeurs à Venise car bec, 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 bec. Pourquoi tu veux que je roule à 92 en fer? Comme si j'ai su lire dans son jeu. Dans son jeu. Ouais, ouais. Elle a douté de moi, mais je suis resté le même. J'ai pas lui faire du sale, elle est restée quand même. Je vais chanter, ne reviens pas, elle est revenue quand même. Sur du gradure, ça ne marche pas, j'aurais peut-être dû essayer jamais. À la vie, à la mort. J't'aime toujours, mais j'suis pas prêt à faire des efforts. S'il te plaît, sors de ma tête, conjure le sort. J'ai mal encore, je l'aime à tort. À la vie, à la mort. Toi et moi, c'est compliqué. À grande distance, j'me laisse aller. J'veux pas regretter toute ma vie, j'veux pas non plus la gâcher. Toi et moi, c'est compliqué. À grande distance, j'me laisse aller. J'veux pas regretter toute ma vie, j'veux pas non plus la gâcher. J'veux pas non plus la gâcher. La vie à la mort. Boum boum. Avec Easy Lee à l'instant. Et ouais, Easy Lee. Fort. Incroyable. Easy Lee, le JPK, on continue sur Skyrock. On exclut et on enchaîne. À la vie, à la mort, c'était le nom du morceau. C'est ça. Et on enchaîne avec le capitaine. Captain Rocher est là aussi avec nous. Sarah. En avant toutes ces sales idées. Ce qui m'arrive fou c'est mérité. Le stade chante quand tremble les filets. Stupide, quand je veux mon fric, je veux la totalité. Masqué comme un lucha libre. Quand l'argent rentre nous cadencer. Ouais j'ai peu dormi, bif bif pour tous mes ennuis. J'aime pas ceux qui portent l'insigne, leur grand-mère et père j'insulte. Petit malin je m'instruis, je fais taf et ma matière grise. C'est l'or je les vends au ski, capot depuis comme tout. On est rusé pas gentil, du nord comme crocodile Dundee. Rocher Lugy comme c'était promis. On est rusé pas gentil, du nord comme crocodile Dundee. Rocher Lugy comme c'était promis. Ce soir il fait froid en enfer. Décalé sur rythme infernal. Décalé sur rythme infernal. Idées noires zéro lanterne. J'm'entraîne à ne plus avoir mal. Ce soir il fait froid en enfer. Décalé sur rythme infernal. Décalé sur rythme infernal. Idées noires zéro lanterne. J'm'entraîne à ne plus avoir mal. J'donne ma vie.
partie, mais personne n'est cordage. Vends des coques pour iPhone et des gilets pare-balles. Les regrets, les remords, je les emporterai pas. Donc je pense à moi d'abord comme un bel enfoiré. Mais à la fin, je dors pas, mais à la fin, je dors pas. En soirée, si ça fait la malala, c'est que j'ai développé une autre version de moi. Celle qui essaye de comprendre les humains. Celle qui essaye juste de plus aller mal. Ah là là là, à chaque interview, je me crois au tribunal. Pas à ma place, comme calage dans un cartable. J'avance en intraçable. À la base, j'étais qu'un incapable. Mais y'a aucun mur qui est incassable. Ah, ce soir il fait froid en enfer. Décalé sur rythme infernal. Idées noires, zéro lanterne. Je m'entraînerai plus à voir mal. Ce soir il fait froid en enfer. Décalé sur rythme infernal. Idées noires, zéro lanterne. Mais je m'entraîne à ne plus avoir mal. Captain Roshi à l'instant avec le JPK. Fort aussi, voilà. Le morceau exclu. Celui-ci, hein. Totalement exclusif. Il est tout jeune, il sort du four. Magnifique. Produit par Johnny et Cassive. Il y a 4 jours, je crois. Ouais, franchement, il est tout frais, là, on le teste. On le découvre, même nous, tu vois. Et sérieusement, ouais, au casque, il est cool. Ah, il glisse bien, hein. Faut les tester chez Sky. Il glisse bien, celui-ci. Hein. Ah, il passe bien. Ah, il glisse même très, très bien. Je crois qu'il restait un dernier morceau. Et oui. Il me semble. Easy nous fait l'honneur d'une exclue. Fort. C'est quoi ce morceau? C'est sur le projet qui arrive? Ouais, c'est ça, hein. Il s'appelle. Il devait s'appeler Match Nul, mais. Donc le morceau ou le projet? Le son. Ah, le son. Le projet, il a pas de nom pour l'instant. Si. Non. Il a un nom, Octave, mais tu vas si, pas il dire. Il a un nom, mais. Mais tu vas pas donner, bien sûr. Je connais. Très secret. Bien sûr, non, mais je sais. Ce soir. C'est travailler, mais c'est. C'est chaud, Isilin, pour travailler. Allez, bah, on écoute ce morceau. Donc il devait s'appeler Match Nul, mais il s'appelle. Il s'appelle Ex-Aequo, au final. Ex-Aequo, au final. Et tu comprendras pourquoi il devait s'appeler Match Nul. Allons-y. Okay. Ce que je crois qu'elle veut vivre le grand amour, la passion dès le premier jour. Elle veut aimer et recevoir en retour. Elle veut savoir si ça existe toujours. Vivre le grand amour, la passion dès le premier jour. Elle veut aimer et recevoir en retour. Elle veut un mec normal qui l'aimera pour toujours. Trop de fierté pour la mettre de côté. Travaille avant tout, je dois reprendre ce qu'on m'a volé. Le temps est un instrument que j'aimerais t'accorder. L'amour c'est comme les impôts, difficile à déclarer. Tu savais à quoi t'attendre avant d'en à bord. Bébé je t'en voudrais pas si tu veux te vaisseau. Tu penses qu'on entre nous c'est mort mais tu as tort. Laisse-moi sortir 2-3 albums avant le repos. H24 absent, tu ne penses qu'à l'argent et à marquer ton temps. Sans commentaire, je crois qu'elle veut vivre le grand amour, la passion dès le premier jour. Elle veut aimer et recevoir en retour. Elle veut savoir si ça existe toujours. Vivre le grand amour, la passion dès le premier jour. Elle veut aimer et recevoir en retour. Elle veut un mec normal qui l'aimera pour toujours. Elle veut savoir si ça existe toujours. Elle veut un mec normal qui l'aimera pour toujours. Elle voudrait que je m'enferme et que je sois tout à elle. Rien n'a changé, elle est toujours aussi sûre d'elle. Des progrès, je te promets que j'en ferai. Apprendre le sommet, comment je pourrais faire sans elle. Dans son petit cœur, j'ai dû refaire toute la déco. 2 millions et peut-être qu'après ça, je me déco. Au fond de moi, je sais que c'est pas toujours facile. La vie d'artiste, des fois, j'aimerais m'éloigner d'elle. J'étais bienvenu à bord, il est trop tard pour mon vaisseau. Pardonne à Mémé, à mort. Sans commentaire. Je crois qu'elle veut vivre le grand amour, la passion dès le premier jour. Elle veut aimer et recevoir en retour. Elle veut savoir si ça existe toujours. Vivre le grand amour, la passion dès le premier jour. Elle veut aimer et recevoir en retour. Elle veut un mec normal qui l'aimera pour toujours. Elle veut savoir si ça existe toujours. Qu'il aimera pour toujours. Oh. Vive le grand amour. À l'instant, en live, tu m'as replongé loin, Isili. 2004. Éloquence Kélia. Bien vu. Mais t'étais pas né? Si, j'étais né. T'étais né? Quand même. Autour de la table, vous étiez tout petit avec ce morceau. Ça m'a ramené. Match nul. Ça m'a ramené. Tout le monde se souvenait de ce morceau? Bah, fort, fort, fort. Hein, c'est franchement ça, bien vu.
éloquence qu'il y a. Ouais, en effet, match. Ouais, je comprends donc pourquoi tu voulais l'appeler match nul. T'as capté. Ben, j'ai bien capté, en effet. Mais il s'appelle donc. Ex-aequo. Très bien, bah on salue en tout cas Éloquence et Kélia. Peut-être que tu es Éloquence, ah, que tu te caches. Peut-être, hein. Peut-être que tu es de retour et que tu te caches là-dessous. Ça se trouve, j'ai 40 ans. Ouais. J'ai des carrières. On a dit, une carrière incroyable. En fait. Non. Non, on ne saura pas. On ne saura pas. C'est Easy Lee. Allez cliquer, allez suivre Easy Lee. Ça se trouve, c'est un basketteur. C'est possible. Ouais, parce qu'il est grand. C'est vrai, c'est un indice. Il est très très grand. Tu vois, ça se trouve, il joue à un club, tu vois. Bien vu, Captain Roshi. Peut-être. Pas mal. Peut-être un basketteur. Peut-être qu'il fait partie de l'équipe de France en ce moment. Tu vois. Peut-être joue au foot aussi. Un indice. Il brouille les pistes. Ouais, là, t'as raison. Restons sur le basket. Bon, en tout cas, vous nous avez régalé tous en live à l'instant. Merci beaucoup. Merci Easy Lee. Merci Captain Roshi. Merci à JPK aussi. Et ben, merci à tous ceux qui sont venus. Juste avant de se quitter, quelques petites questions pour toi. Planète Rap, pose ta question. Et c'est Chiara de Puto qui a une question pour toi. Ah, ça va. Chiara, j'ai 14 ans et j'ai un Puto. D'où elles viennent tes inspirations principales pour la musique? Alors, les inspi, d'où elles viennent? Par exemple, sur Montagne Russe. Bah, en vrai, je vais faire réponse un peu classique, mais de ma vie, quoi, d'histoires vécues, de trucs que je vois, de trucs qu'on me raconte, de trucs que je vis, quoi, comme beaucoup de gens dans la musique, tu vois ce que je veux dire? Genre, Poupée Russe, c'est une histoire assez perso. Après, des fois, ça peut aussi partir dans des vibes, juste laisser un peu porter par une instru et plein de choses, mais je pose ce qui me passe dans la tête. Thaïs de Vitry, maintenant. Je m'appelle Thaïs, j'ai 16 ans et je viens du 9-4 Vitry. Salut. Du coup, je te connaissais pas, mais si tu devais me poser un seul morceau, ça serait quoi? Voilà. Un morceau pour découvrir, c'est vrai. Bonne question de Thaïs. Alors, s'il y avait un morceau qui résume bien le JPK, un solo, je suppose. Ah, je dirais Pas à ma place. Pas à ma place, sur l'album. Ouais, là-dessus, tu vois, même pour. Je trouve ça définit bien l'album et ce que je veux faire en solo, tu vois, aussi bien la musique que les paroles et tout. Là, si on nous écoute par exemple dans la voiture en rentrant du boulot, en rentrant de je ne sais où. Ouais, mettez Pas à ma place et après continuez l'aventure ou pas. Si vous découvrez l'UJPK, Pas à ma place, vous pouvez cliquer, c'est sur l'album Totalement. Montagne Russe. Totalement. Une autre question, cette fois-ci nous partons à Malakoff avec Clémentine. Clémentine, 15 ans, Malakoff. Du coup, on se demandait si t'avais encore contact avec Colombaille. Voilà. Et si on pouvait vous revoir ensemble. Ouais. À Colombaille. C'est ça. Non, pas du tout. À Colombaille, non. Colombaille. Avec les bailles de Colombe. Non, bah, tu sais, c'est une large équipe, donc il y en a que je vois encore et d'autres que je vois plus trop, à vrai dire, tu vois. Mais c'est la vie, c'est une bande de potes, tu vois. Après, c'est ça en fait. C'est genre, on est là, on se croise tout simplement. Il y en a qui sont sur Paris, il y en a qui sont restés à Rennes, tu vois. Après, on fait nos vies, mais quand je suis à Rennes, c'est un plaisir de revoir ceux qui sont là-bas, tu vois. Et enfin, une dernière question, c'est celle de Emma de Paris. Moi, j'ai 17 ans, je m'appelle Emma et j'ai un lieu de Léron aussi. Salut, alors je suis déjà venue te voir en concert il y a 3 ans au Francofolie. J'hésite à venir te revoir, alors dis-nous une bonne raison qui nous ferait revenir te revoir. Pourquoi t'hésites? Ouais, pourquoi t'es en hésitation? En plus, je repasse Francofolie. Bien, j'hésite à revenir. S'il faut se vendre, je sais pas. Moi, au Francofolie, j'étais tombé sur scène. Ah merde, bah c'était vachement bien là cette fois-ci, il va faire encore mieux. Je te promets que cette fois, je ferai le concert debout. Et bah voilà, bah c'est une très belle. Donc j'espère que voilà, Francofolie, ce sera évidemment en juillet, je crois. Cet été. C'est trop bien là-bas. Cet été, c'est trop bien. T'es tombé comment? Bah, j'ai reculé. Et en fait, il y avait une marche sur scène derrière merde. Moi. Et là, je suis tombé, tu vois, vraiment. Ça t'a eu beaucoup comme ça, des galères sur scène, des trucs? Ouais, moi, j'ai pas trop d'équilibre. Je suis un peu en roue libre sur le truc. À l'Olympia, à l'époque de Columbine, on arrivait, tu vois, chacun d'un côté avec Foda. Et je sais pas, on a sauté. Et lui, il m'a fait un croche-patte à moitié sans faire exprès en atterrissant, tu vois. Et du coup, je suis tombé la tête à l'enverse. Oh merde. En fait, j'allais tomber dans la fosse et me prendre la barrière devant. Oh putain, la crash barrière. Ouais, ça allait être l'enfer. Je pense des fois quand c'est la merde, ton corps il fait des dingueries pour te sauver. Et genre, j'ai fait un bond, j'ai atterri sur la barrière et les mecs de sécu, ils m'ont tenu les pieds, mais vla réactif, tu vois. Et là, du coup, pile quand c'était mon couplet, donc ça a fait une scène marrante, tu vois. Et je suis retourné à l'Olympia il y a pas longtemps, ils s'en souviennent, ils m'ont dit à toi, la crash barrière. Et voilà, puis bon, on remet ça en mars en plus, l'Olympia, du coup. Mais attends, c'est dangereux de ouf. Bah ouais, non, mais c'est. Attends, t'as pas vu pendant que t'expliquais l'histoire, Captain Roshi, il a revécu la scène pour toi. Il était là, j'ai il tendait les mains comme ça, genre. Il voulait te retenir. Ah non, mais je suis. En avant, en fait, je me suis vu.
tombé. Ah, et je me suis dit, ah, ce sera la fin du concert et tout. Enfin, j'ai eu trop d'images en une seconde. Et j'ai fait, waouh, la fin dès le début. Ouais, je pense, j'avais, je sais pas, tu vois, genre la tête dans le crash, t'as plus dedans, tu vois, après t'as plus rien. Mais non, voilà. Ah, non, les trucs horribles, putain. Je travaille mon équilibre maintenant, c'est bon. Eh bien, merci à vous tous, en tout cas, pour cette belle soirée. Merci, Captain Roshi. Merci. Allez chercher le EP, il est dispo, hein. Bien sûr, toujours. Et l'album arrive. Et l'album arrive. Easy Lisa arrive aussi. L'album merci arrive pour l'exclu. Johnny, cours de batterie. Quand tu veux. Avec grand plaisir. Let's go. Et sur la tournée, vous allez retrouver Johnny, on espère pour le plus rapidement possible. Pour la qualité. Johnny pour la qualité. Johnny pour la qualité. L'enfant unique. Merci beaucoup. Cassive aussi. Cassive qui était là aussi avec nous. Depuis l'époque. Depuis l'époque. Depuis lundi. Tu t'en souviens aussi forcément de. J'étais là, je l'ai vu. Franchement, j'ai vu la fin moi aussi. Merci à vous tous, rendez-vous demain pour la suite de ce Planète Rap. Dans un instant d'Ifoul et on finit avec un dernier morceau. On finit avec Pierre Feuille. Ok. Papier. Papier ciseaux. Ouais. Tu pourrais faire le refrain. J'aurais pu faire le refrain celui-ci. Merci à vous. Ciao. Ciao. L'enfant sauvage, l'enfant terrible a les bras écorchés par les ronces. Il n'a pas peur de l'orage, sur sa route tous les feux sont oranges. Lui fait pas la morale, il sait déjà qu'il n'a pas raison. La pluie plaque ses cheveux sur son front, il a compris qu'il dérange. Tu vois qui c'est, tu connais pas son nom. Derrière lui quelques années d'errance. Il parle peu, ça l'arrange. Les gens disent qu'il a un truc. Il s'enregistre tout seul et fait des hits. Il n'a pas peur de l'autotune. Un peu dragueur, des vues sur ta copine. Des tics nerveux à cause de la fatigue. À cause de la fatigue. Il sait pas encore si c'est une mixtape ou un album. Il a tout écrit sur son téléphone. Un rêveur oublié dans la cour de l'école. Dans la cour de l'école, il fait ses instrus tout seul. Des fois, il en cherche sur YouTube. Il aime faire l'amour en douceur, mais elle préfère quand il est dur. Tout le monde reprend ses expressions sans le créditer. Sans le créditer. Il se met à l'ombre pour méditer. Il sait que si demain il part, la terre continuera de tourner. Des frites pas de bœufs, mais broie du noir. Dors comme un loir, les yeux gonflés. Des frites pas de bœufs, mais broie du noir. Dors comme un loir, les yeux gonflés. Sur ce qu'il fait, il n'a aucun recul. Quand t'as soif qu'approche la canicule. Toujours bien caché derrière le miroir sans teint. Il aime ses potes mais concurrents savent. Il boycotte son cas ouais même sous une grosse averse. Tu sais que sans capote il est en stress. Après sa copine qui aborde, il sait pas s'il regrette. Un couteau dans la poche car par ici ça craint. Le logo la casse sur la plupart de ses fringues. Dans sa sacoche toute sa petite vie elle tient. Toute sa petite vie elle tient. Toute sa petite vie elle tient. Toute sa petite vie. Pierre, feuille, papier, ciseaux. Et je tombe du radeau. L'enfant de Columbine est au pied des montagnes. Pierre, feuille, papier, ciseaux. Et je tombe du radeau. L'enfant de Columbine est au pied des montagnes. Rien n'a changé, il est juste à la mode. Il démarre sa journée sur un thé à la menthe. Avec l'équipe à la vie, à la mort. Son padré qui attend d'avoir tiercé dans l'ordre. Tout son Gucci vient d'un souk à Rabat. Elle lui dit qu'elle est bien dans ses bras. Il a une follow, Kylie pour Kendall. J'espère qu'elle ne lui en voudra pas. Pierre, feuille, papier, ciseaux. Et je tombe du radeau. L'enfant de Columbine est au pied des montagnes. Pierre, feuille, papier, ciseaux. Et je tombe du radeau. L'enfant de Columbine est au pied des montagnes. Pierre, feuille, papier, ciseaux.